Las preguntas las voy a hacer en español para que sea más fácil y más rápido el que ustedes entiendan. Él va a escuchar y de inmediato pueda responder y no perdamos el tiempo de traducción. Segunda cosa, la vamos a dividir en, digamos, tres partes. En la primera vamos a hablar de su trilogía, de tres secuencias muy específicas. Y aquí la primera pregunta es, ¿cuántos alumnos, exalumnos o cineastas hay en la sala? ¿Pueden alzar la mano, por favor? Alumnos de cine, exalumnos, cineastas. Ok. ¿Gente nada más, público en general? ¿Interesado? Ok. Ah, pues mitad y mitad. Bueno. Entonces, esta primera parte va enfocada particularmente para aprovechar su presencia a gente que quiere hacer cine o que hace cine. Es decir, vamos a hablar de cosas concretas, de cómo hizo estas secuencias. Por otro lado, es muy importante porque en el cine, como ustedes saben, la forma es el fondo. Es decir, como uno filma, es lo que uno quiere decir. No están separados. Cuando alguien va y ve una película y dice, qué bonita foto, pero no me gustó la película, o el director no supo lo que hacía o el espectador no entendió nada. Pero no es posible que la foto sea bonita y que la película no funcione. Eso es materialmente imposible. O es mala o funciona. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte la vamos a conectar con su última película, en donde él ya nos va a hablar más de los temas, ¿no? Va a ser más lírico, de qué se trata ya su trabajo personal. Y la tercera parte la vamos a abrir a ustedes. Y si tenemos suerte y él al final acepta, proyectaremos lo que fue su corto de escuela. De tal manera que una vez que tengamos la visión de lo que es como cineasta, veamos de dónde partió su estructura como cineasta. ¿Ok? Bueno. Entonces, si está claro, vamos a comenzar. ¿Sí? Un poco más. ¿Un poco de maré? Voilà. Ok, la primera pregunta es la clásica pregunta a cualquier cineasta víctima de sus colegas, que es, ¿cómo llegaste al cine y por qué haces cine? ¿Ya está el primero? Ok. Un segundo nada más. Bueno, vamos a ver el primer extracto. Su carrera, aunque empezó en los años 80, ¿no es pa? ¿Votre carrera? En fait, j'ai commencé l'école en 84-85.
Ok. Ok, entonces él empezó en el 91 a trabajar, pero el, digamos, su primer gran éxito en donde ya se dio a conocer fue en la Lluvia Español, ¿no? Que es la primera parte de una trilogía. De esta película yo he escogido una secuencia, porque a mí me parece que en cierto sentido él ahí logra resumir por primera vez lo que será su estilo. Un estilo que muestra que él no es solo un realizador, no es solo alguien que trabaja de cine, no solo come de hacer cine, sino que es un verdadero creador, porque en principio lo que hace es crear su propio lenguaje para expresarse. Entonces, en esta secuencia encontramos, en mi opinión, la primera semilla. Es muy sencilla, dura 90 segundos. ¿Sí? Y lo que encontramos son todos los personajes que participan en la trilogía, que están en un bar, están de fiesta en la noche. No les digo más, vamos a ver. ¿Ok? Corre, por favor. Et là, le personnage est complètement perdu de la situation de Français, c'est-à-dire que
on essaye de montrer comment il est, comment il est libre. Et donc, il y a un mélange entre les moments, c'est plus si c'est à l'intérieur, à l'extérieur, si c'est juste 15 secondes après, c'est cette sensation qu'on essaie de montrer. Lui, il est perdu, mais il ne faut pas que le spectateur soit perdu. Et c'est pour ça que je disais que la mise en scène peut faire le contraire. C'est assez précis, en fait, ce que fait la mise en scène pour essayer de faire comprendre ce qui se passe dans la tête du personnage. Ok, vamos a tomar por partes. ¿Cuánto tiempo les llevó rodar esta secuencia? Ça a dû être 4 heures, 5 heures. 4 heures. Mm. Fue la misma noche, l'intérieur et l'extérieur. La secuencia está filmada como estaba escrita o se improvisó con los actores? No, elle est telle qu'elle était écrite. La chose qu'on a improvisée, au montage, c'est le fait de mélanger deux prises et de superposer deux prises d'une tournée. Ok. En lo que respecta a la dirección de actores, ¿qué es lo que han bebido y qué es lo que han fumado o tomado para que cada uno sepa qué debe actuar o qué fue lo que hicieron para dar la impresión? Alors, il y a souvent ça dans les films. Donc, je commence à être habitué sur la méthode. On ne peut pas jouer ces scènes-là quand on est vraiment sous le bain. Donc, c'est pareil, c'est assez précis. Et du coup, on fait des séances de travail, à la fois chacun et en groupe, pour que la notion d'ivresse, chacun va être ivre d'une façon différente. Mm-hmm. Et le personnage de l'anglais, c'était assez drôle parce qu'il expliquait aux autres que très souvent, quand un acteur va jouer l'ivresse, les gens ont tendance à marcher comme ça. Et lui, il dit, moi, je fais le contraire, j'essaye de marcher droit. Et c'est vrai que quand il jouait l'ivresse, il faisait un effort pour être normal, disons. Et que du coup, son ivresse à lui, c'était comment je n'ai pas le vertige et comment j'arrive à rester droit. Et il y a d'autres acteurs qui faisaient complètement autre chose. Donc chacun a sa méthode pour jouer ça. Mais on est obligé d'être assez précis sur comment représenter ça pour que ça paraisse crédible pour chacun. Totalmente de acuerdo, si no corre el riesgo de que todos hagan lo mismo. Ahora todos borrachos, ¿no? Eso es muy interesante porque nos habla de la personalidad de cada uno y es algo que a veces quien empieza a filmar olvida. Por eso, ¿no?, lo pregunto. Es importante darle a cada uno su espacio, ¿no? Esa fue la idea, su espacio mental. ¿No? Ouais. Moi je fais souvent des films de groupe, des films avec beaucoup d'acteurs, et c'est vrai que très souvent, un groupe, j'essaie de le dire, un groupe n'est pas un groupe, c'est plusieurs individus, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, moi, je travaille personne par personne, et que quand il y a une scène de panique, par exemple, il y a une scène de panique, je crois qu'il y a une explosion, et ils vont sortir de la salle, au lieu de dire tout le monde sort, je dis, d'essayer de sauver quelqu'un qui est à l'intérieur, chacun a une réaction différente. Et le résultat, c'est une scène de groupe, mais la façon de la fabriquer, c'est une scène, enfin, c'est des actions individuelles. Ok, la cámara fue hecha por Dominique Collin. ¿Cómo decidieron hacer ese close-up en azul? ¿O había muchos close-ups en azul? Para dar la idea de la sensación de Javier, que una vez que uno lo comprende, comprende el estado de los demás, como si él fuera el líder de la manada. Alors, avant de répondre à la question, en fait, c'est moi aussi, c'est le premier film que j'ai fait en numérique, c'est le début des caméras numériques. Et l'intérieur de la boîte de nuit, on a été obligé de le faire en DVD, en caméra DVD. Et ce qui était particulier avec les caméras numériques, enfin c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est que les couleurs sortaient beaucoup plus fort qu'avec la pellicule. Du coup, au lieu de subir ça,
j'ai utilisé ça. Et là, dans la boîte, il y avait des lumières, et dès qu'il y avait des lumières en couleur qui tombaient sur le visage, je gardais ces moments-là, en fait, plutôt que d'avoir des lumières blanches sur le visage. Donc, là, au montage, quand on a gardé ces plans-là, c'est vrai que le fait qu'ils soient en couleur et que les couleurs des plans autour soient d'autres couleurs, c'est ça qui donnait le côté volatile, mais aussi le côté discontinu. C'est-à-dire que c'était pour dire, à partir du moment où on est dans cette boîte de nuit, le temps n'est plus régulier, le temps n'est plus consécutif. Ok. Entonces fue una decisión de edición, en cierto sentido, de montaje. Oui. Ok. Oui. El montaje lo hizo Francine Sandberg. Oui. Hubo varias veces que colaboraron, ¿cierto? Francine Sandberg. Oui. Y tú. J'ai fait 9 films avec elle. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? En fait, j'ai commencé assez tôt à travailler avec elle. Elle avait 20 ans, enfin, elle a toujours 20 ans plus que moi. Et j'aimais beaucoup le fait qu'elle était très précise sur la description des personnages. Il y a eu plusieurs films que j'ai fait avec elle, notamment un film qui s'appelle Chacun cherche son chat, où il y avait des problèmes d'acteurs dans le film et c'est le montage qui sauvait les acteurs. Elle était vraiment forte sur ça, sur comment aider un acteur avec du montage. Et aussi son humour, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à la fois, était très sérieuse et en même temps, elle est toujours dans le sens de l'humour. C'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce de distance qui fait que dans une scène, il faut voilà, utiliser la distance pour que ce soit drôle, pour qu'il y ait quelque chose de plaisant. Ahora, lo que realmente empieza a plantear un estilo en la escena es la mezcla de Steadicam, que generalmente además es Steadyback, con grúas y con planos fijos, que uno pensaría que en cierto sentido no funciona, pero que todo se conjunta precisamente por Daft Punk. ¿No? ¿Eso fue una decisión de antes o sucedió en la mesa de montaje? Non, c'est grâce au montage, mais c'est pas juste la musique de Daft Punk, parce qu'on monte sur la musique, donc forcément il y a quelque chose de rythmique qui est important. Mais l'idée en une fois, c'était vraiment de dire quand on est doué, on n'a plus la même sensation du temps. Et que parfois on est dans le présent, et parfois on est soit avant, soit après. Et là, c'était ça le but. Et donc, quand on a un mouvement de caméra qui est très fluide, on a un mouvement qui fait comme ça. Si de temps en temps vous l'arrêtez et que vous mettez ce qui se passait 5 secondes avant, 1 minute avant, il y a cette sensation qu'il y a des va-et-vient dans le temps. Donc c'est ce qu'on appelle en musique une syncope, où il y a des ruptures de rythme, et qui, là, le but c'est vraiment de décrire l'état du personnage. Ok. El cierre de la secuencia es una serie de disolvencias, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Cuando uno ve la primera vez, piensa, va a pasar a la siguiente secuencia. Cuando uno ve la segunda vez, piensa, ok, es un efecto. Cuando uno ve la tercera vez, piensa, creo que ya se les pasó la mano. Pero conforme llega uno la cuarta, la quinta, la sexta, y sigue, e incluso al final se quedan unos fantasmas del lado izquierdo de la pantalla. Esto que parecería un efecto nada más para pasar el tiempo, se convierte en una expresión fundamental del paso de tiempo de estos personajes. Esta decisión también fue hecha en el montaje, estaba en el guión. ¿O cómo llegaron a encadenar, no sé, 10, 12, 15 disolvencias? Que por otra parte, perdón, ya para terminar, solo es posible en la época del cine digital, que eso es muy interesante. De alguna manera nos habla de que esto ahora es
más accesible que en los años 60 o 70. Y también con eso y la música de Daft Punk le da una modernidad absoluta al, al plano. Ça, en fait, l'idée de superposer deux plans, et c'est deux prises différentes, c'est une idée de monteuse, donc ça c'est vraiment une idée qui est venue au montage, et j'ai tout de suite adoré cette idée, et ensuite pour la faire marcher, ça a été très long en fait, c'est-à-dire que parfois ça marchait, parfois ça marchait pas, et en fait c'est un dosage extrêmement précis, parfois il y a un plan, parfois il y a l'autre plan à 100%, donc il y a 100% du plan A, 100% du plan B, et parfois il y a 50% du plan A, 50% du plan B, et parfois il y a 10% du plan A et 90% du plan B, et ça évolue tout le temps, c'est-à-dire que parfois on passe de 90% à 70%, 30%, 50%, 100%, et en fait chaque seconde on choisissait sur quelle prise on va, et du coup quand on va sur une prise on a l'impression d'être dans le présent, et quand on mélange deux prises, on a l'impression que le temps est flottant et qu'on est entre deux moments. Mais le dosage est extrêmement précis. C'est incroyable à quel point c'est difficile de faire ça. Et je pense qu'on a mis entre une et deux journées de juste choisir le pourcentage de quel plan regarder. Absolument. Ahora, se filmó durante 4 o 5 horas. Esto pone mucha presión sobre el primer asistente de dirección. ¿Cuál fue el trabajo de colaboración entre el realizador, que además es el guionista, y quien tiene la responsabilidad de llevar adelante el rodaje durante las 4 o 5 horas siguientes, considerando la complejidad del mismo? ¿Y quién fue el asistente? C'est une assistante et je suis marié avec elle. Oh là là. je comprends que cette question a beaucoup de sens en fait. C'est peut-être pour ça que je me suis marié avec elle, c'est qu'elle a réussi à organiser beaucoup de choses compliquées. Ok. Eso quiere decir que ya en la película estaba involucrado el tema del amor, tanto el amor-amistad. Que es lo que pasa con el grupo, como en el rodaje. Me da la impresión que también hay un amor-amistad con la edición, con la editora, obviamente con la asistente, y eso permea el principio de la trilogía. ¿Estarías de acuerdo? Oui, je pense que c'est quelque chose que je cherche beaucoup dans le cinéma, c'est une espèce de cohérence de groupe, une cohérence humaine. Et mon dernier film s'appelle Ce qui nous lie. Donc c'est vraiment cette idée qu'il faut qu'il y ait du lien entre les gens. Et moi je considère que je peux pas travailler si j'ai pas du lien avec les gens avec qui je travaille. S'il n'y a pas du lien entre les acteurs, sur l'auberge espagnole c'était très clair que tous les acteurs s'entendaient bien entre eux. Et c'était incroyable parce qu'ils formaient une espèce de famille très cohérente. Et moi j'ai besoin de sentir cette énergie, cette fusion entre les gens. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont besoin du contraire, ils ont besoin de conflits, ils ont besoin de cris, d'autorité, de choses qui sont justement déséquilibres. Moi j'ai besoin vraiment de sentir qu'il y a, pas forcément de l'amour, mais en tout cas du lien entre les gens. Et ahora que se mencionó que la juventud estudiaste algo de filosofía, a mí me dio la impresión al ver esta película que me llevaba a la época de Grecia en donde los filósofos se llamaban amigos. Es decir, que la relación de amistad generaba conocimiento entre la gente y hacia la vida. Yo no sé si es intencional, pero me gustaría saber si hay algo de cierto en esto, en este proceso de amistad, conocimiento, amor, ¿no? Y hay un lado filosófico. Oui, certainement, parce que pendant 2 ans, j'ai vraiment beaucoup étudié la philosophie, principalement. Donc c'est vrai que c'est des choses qui restent. Ce que j'ai mis d'ailleurs dans Casse-tête chinois, le troisième film de la trilogie, où il y a des philosophes allemands qui apparaissent bizarrement dans le film. Oui, c'est vraiment quelque chose qui m'aide.
tête intéressé par la philosophie. Je trouve que c'est justement, encore une fois, c'est un recul par rapport à la vie et que ça permet de... Moi, j'ai l'impression que le cinéma, c'est beaucoup avec du recul qu'on fait du cinéma. Ok. Entonces empezamos a encontrar esta conexión entre la técnica, el equipo de rodaje, las intenciones artísticas, la pasión personal, y el amor, la amistad y la filosofía, que son parte ya no solo de los que hacen el trabajo, sino del tema de la película. Como les decía, aquí es donde uno se da cuenta de que una cosa depende de la otra. No es que él quiera filosofar y se tienen unos chorotes por ahí, bueno, perdón, hablen mucho, y que por otro lado la cámara ande como loca buscando su respuesta, sino que va habiendo una coherencia. Y con esta coherencia pasaremos al segundo clip, que es en la película Le Poupée Russe, que es una secuencia que también dura alrededor de dos minutos y algo. Y la diferencia es que en este caso está basado completamente en la actuación de los personajes. Aquí vamos a encontrar el otro lado. En la primera ya vimos cómo maneja la técnica. Y yo, cuando empezamos a platicar él y yo, le dije que era muy importante que ustedes se dieran cuenta cómo filmaba. Ahora, como vimos el shot del bar, esa técnica la utiliza constantemente, pero con el tiempo se va dosificando. Esta película la hizo 2-3 años después, ya conociendo a sus personajes, ya más asentado, célebre, ya había tenido un éxito rotundo, lo cual siempre es muy importante para un cineasta, ¿no? Porque además ya sabe uno qué va a comer al día siguiente, ¿no? Por lo tanto, es una película que utiliza los elementos, pero más suavemente. Y vamos a volver a encontrar a Wendy y a Xavier, pero ahora en otra, de otra manera. Y en esta secuencia se profundiza la idea del amor. ¿Podemos verla, por favor? Dans ce deuxième film, donc ils sont amoureux, Wendy et Xavier. Et juste avant cette scène, on a vu que Xavier part à Moscou pour voir une autre fille. Et elle est au courant. Elle est au courant que son mari va la trouver avec une autre fille. Donc elle lui dit ça. Juste à... Oui, non, non. Oui, ok. I love what's not perfect. It's just how I am. I think you need to go now. N'importe quel mec normalement constitué aurait couru après elle après avoir entendu ça. Moi, j'ai pas bougé. Ou plutôt, c'est le train qui a bougé. Moi, je l'ai laissé faire. Time bell blows my heart and I have scored a bed and
primera pregunta. ¿Por qué ellos están en San Petersburgo? ¿Por qué en inglés? Alors, toute l'idée des poupées russes, c'est de retrouver les mêmes personnages donc, 3 ans après. Et en fait, ils sont au mariage du frère de Wendy, qui se marie avec une russe. Et en fait, il a invité tous les gens qui étaient dans cette colocation à Barcelone. Et donc, voilà, l'idée du film, c'est de retrouver les mêmes personnages autour d'un mariage, en fait. Ok. Ahora, aquí vieron que la forma de rodar es la forma que uno rueda su primer ejercicio de la escuela. Criss, cross, criss, cross, criss, cross. Y sin embargo, hay una gran velocidad en este criss, cross. ¿Por qué? ¿Por qué adquiere esa velocidad estos diálogos? ¿Es algo que tiene que ver con la actuación, con el sonido y el ambiente? ¿O con las emociones de los personajes? Là, c'est vraiment pour mettre en valeur le fait que Wendy dit exactement le contraire de ce que lui sent sur lui-même. C'est-à-dire que finalement, ils se sentent très coupables de la laisser d'aller rejoindre une fille. Et elle ne fait que lui faire des compliments, même si elle dit oui, je sais que tu as des défauts et j'aime tes défauts. C'est une espèce de déclaration d'amour et lui est pas en phase avec elle à ce moment-là. Mais c'était obligé d'avoir ce panache entre gens, d'avoir un visage de l'un, un visage de l'autre, parce que le spectateur sait exactement ce qui se passe dans la tête de chacun. Un des professeurs que j'avais vu à New York m'a dit, je trouve ça très vrai, il ne faut jamais croire ce que dit un personnage, il faut croire ce qu'il fait. C'est ce genre de scène où effectivement le spectateur sait que, bien sûr, elle dit la vérité, ce qu'elle dit est juste, elle se sent amoureuse de lui. Mais par contre, elle sait autre chose qu'elle dit. Ok, Wendy le dit, I'm in love with your imperfections. Amo tus imperfecciones. Y Javier le contesta, I'm not the one you think I am. No soy el que tú crees que es. Esa respuesta de Javier es de las pocas sinceras que uno encuentra, en donde él sí sabe que no es lo que todos creen que es, pero él tampoco sabe qué es. ¿Sí o no? Él tiene este problema. Je pense que c'est ce qui se passe dans la trilogie, et peut-être ça se termine au moment où il sait en qui il est. C'est quelqu'un qui se cherche, c'est quelqu'un qui est très instable. Et j'aime bien ce personnage parce qu'il est représentatif de notre époque. On est dans une époque de mobilité où notre époque, on ne sait pas ce qu'elle est. Et on est mobile. On a des téléphones portables, on a des histoires mobiles, et donc du coup, voilà, Xavier se sent comme ça, il se sent instable, chaotique, il souvent justement que, voilà, il ne comprend pas qui il est parce qu'il a l'impression d'avoir plusieurs personnalités, et moi j'ai joué avec ce personnage qui est un vrai reflet pour moi de notre époque. Ok, ahora, en el sonido ambiente, mientras ellos están platicando, se escucha levemente una música que parecería ser como la clásica música de los filmes románticos de los 40. No sé si soy yo que oigo cosas de más o efectivamente está sonando, pero se escucha ese una especie de sonido romántico, que además cada vez que va a pasar algo hay una campanita que suena o alguien que habla por ahí. Es decir, el medio ambiente está armado de una manera extremadamente emocional para rodear a los personajes. ¿Es esto cierto? Oui, alors là, en fait, cette année-là, c'est quelque chose que j'essaie de faire dans tous mes films et qui est assez compliqué. C'est de mélanger la réalité avec, je vais appeler ça la poésie de façon prétentieuse, mais quelque chose qui nous sort de la réalité. Typiquement, cette scène-là, le but, c'est de fabriquer une scène romantique. Et si je suis trop dans la réalité avec
avec le son de la gare, le son du train, le son des gens autour, bah, on est perdu parce qu'on ne peut pas avoir d'émotion sur cette déclaration d'amour. Si on est trop avec de la musique, comme ferait sans doute un film américain, on est trop quelque chose de sur-romantique et on n'est plus dans la réalité, justement. Et donc, il faut arriver à trouver un mélange qui est assez précis entre les deux. Et toute la scène est basée là-dessus. Et beaucoup de choses partent de la réalité, c'est-à-dire que c'est toujours une façon de nouvelle image. C'est-à-dire qu'on est sur un vrai quai de train. Le moment où le train part, par exemple, moi j'avais vu qu'il y a vraiment un train qui part, c'était à la gare de Saint-Pétersbourg, et il y avait trois trains qui partaient ce soir-là. Et j'ai dit à Wendy, tu vas pleurer à 20h27, à 21h22 et à 22h33. Et il s'est passé ça, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'à chaque fois qu'on avait fini une prise, on allait sur un autre quai, on attendait qu'on se mettait en place, on attendait que le train parte, et puis Wendy commençait à marcher, et elle a pleuré les trois fois avec les trois appareils de train, et on a gardé la meilleure prise, où très bizarrement, il y a des marins russes qui ne sont pas des figurants. Il y a toute une chose voilà, qui fait partie de la réalité, heureusement, il n'y avait pas la caméra, parce que ça aurait enlevé quelque chose quand il y avait ce genre de problème. Et donc il y a un jeu de fabriquer quelque chose de très mis en scène qui est en référence avec le cinéma classique avec quelque chose qui est l'opposé, qui est pour moi un peu issu des techniques de la nouvelle vague, de mettre ça dans la réalité et d'essayer de fabriquer quelque chose de poétique en utilisant le matériau de la réalité. Sí, el estilo se va construyendo más claramente y ahora, insisto, se utiliza lo mismo, tenemos la cámara steady en back, tenemos los close-ups, tenemos los cambios de luz, nada más que ahora son tenues, son las sombras de los que pasan. Si tenemos los mismos elementos, pero ha llegado a una sutileza de tal magnitud que ya nos parece una escena simple, cuando la complejidad es enorme. Quiero suponer que hacer toda la, ¿no? La gare ha haber sido un enorme problema de organisation cinématographique. C'est une des choses les plus drôles dans l'écriture du film, c'est de voir le tournage de cette scène. Parce que le tournage de cette scène n'est pas du tout poétique. Je me souviens avoir dit au chef opérateur, si un jour cette scène est un peu émotionnelle et poétique, ça sera vraiment incroyable. Parce que ce qu'on a vécu pendant le tournage était le contraire, c'est qu'on hurlait pour pouvoir faire reculer la caméra, il y a des gens qu'on poussait pour qu'elle puisse marcher tranquillement avec la caméra qui marche en arrière. Il y avait quelque chose d'extrêmement chaotique dans la façon de filmer, et tout ça pour que ce qu'il y a dans le cadre soit très joli. Et c'est le même caméraman de l'auberge espagnole, non? Oui. C'est la dernière fois que collaborèrent. Dominicola. Oui, effectivement. Y me imagino que después de una secuencia así las cosas son más complicadas en la relación. Avec lui? Oui. Non, parce que enfin ça se passait très bien. Vraiment. OK. Ouais. Voilà. OK. Finaliza con el dolly back y la música otra no es un dolly back, es un steadicam, ¿no? C'était pas un steadicam. En fait, on était sur une espèce de chariot qu'il y avait dans la gare et qu'on avait volé. Ah, ok. Oui, parce que tu te bouges. C'était un chariot. Et c'est la seule chose qui roulait qu'on avait trouvé. C'est pour ça que je dis que le tournage était très chaotique. C'était beaucoup de choses pas prévues où on ne pouvait pas amener les choses dans la gare. Donc on était obligé d'utiliser des choses qu'on trouvait sur place. Pero funcionó mucho mejor. En ese sentido, empiezo a encontrar una relación, toda proporción guardada, con la forma en que Renoir se aproximaba a los rodajes, que era permitir que este tipo de accidentes formaran parte de la narrativa, en lugar de esperar a que fuera perfecto lo que se daba en el rodaje, ¿no? Abrir al azar, ¿cierto? Oui, moi,
quand je parle de l'héritage de la nouvelle vague, c'est ça, c'est le fait qu'on écrit les choses dans un scénario et qu'on est capable de tout changer au tournage parce que les choses ne sont pas comme on avait prévu. Mm-hmm. Moi, j'ai appris sur mon premier long métrage que les choses ne sont jamais comme on a prévu. Et j'ai beaucoup souffert avec mon premier long métrage parce que j'ai mis 3 ans à écrire le scénario et en fait, j'étais déçu du résultat. En fait. Et du coup, j'ai arrêté de penser que le tournage, c'était écrire un rêve qu'on a dans la tête et ensuite essayer de réaliser ce rêve. Parce que sinon, on n'est que déçu sur le fait que le rêve est toujours plus fort que ce qu'on réalise. À partir de mon deuxième métrage, à partir du PLG, et ça s'est accentué avec Chacun chasse son chat et les nouvelles espagnoles, j'essaye de fabriquer un scénario qui est décevant, on va dire. Et où le rêve vient avec le tournage. C'est-à-dire que je rajoute des choses et que c'est au tournage et au montage qu'il y a des choses importantes. Et donc là, quand je parlais de l'héritage de la nouvelle vague, là il y a vraiment l'idée que on fait avec ce qu'on a, que si ce n'était pas prévu au scénario, et ben ça peut être mieux que ce qui était prévu au scénario. Ok, en esta película filmaron en la estación de Waterloo, en Londres, en la Gare du Nord de París y en la estación de San Petersburgo. ¿Hay alguna pasión particular por los trenes o por las estaciones de trenes? O... no, no, mais ça faisait partie de la thématique, je dirais, de cette trilogie. Je parlais de la mobilité tout à l'heure, c'est-à-dire que le mot qui décrit le sujet des 3 films, c'est la mobilité. Et donc, il y a toujours des gens dans des trains, des gens qui voyagent, des gens qui passent d'une culture à une autre. Et donc, le train est un élément important. Dans le début des poupées russes, il essaye d'écrire l'histoire et il n'a plus d'électricité dans son ordinateur. Il va aux toilettes du train. Et l'idée, c'est que être dans un train, c'est comme raconter une histoire. On est en mouvement. Le cinéma, le mot cinéma, c'est écrire avec du mouvement. Et donc, c'est ça l'idée, c'est d'essayer de décrire un moment qui est mobile. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de notre époque. Notre époque, elle est que dans la mondialisation, les voyages, le fait que les choses bougent. Avant, les choses étaient beaucoup plus statiques. On naissait dans un village, on restait toute sa vie dans son village. Aujourd'hui, on est quelque part, on voyage, on va ailleurs, on vit avec quelqu'un, on change de personne. Et faire le portrait de notre époque, c'est faire le portrait de cette mobilité. Y además, la idea del tren nos lleva, y se mencionó la historia del cine, a la llegada del tren a la estación, que es, digamos, el inicio del cine, la llegada del tren a la estación. De los Lumière y que ha dado paso a multitud de escenas clásicas, ¿no? Lo que el viento se llevó, John Ford, Fassbinder, etc. Es decir, en cada época vamos encontrando, y creo que en este caso aquí tenemos una más. Se añade a esta enorme cantidad de secuencias que parten del tren. El tren y la fábrica son los dos lugares esenciales de la historia del cine inicial, ¿no? Es de donde parten los Lumière, y no se ha olvidado. Cada película que pasa en uno o en otro lugar se remite consciente o inconscientemente, y así no, a este tipo de shots que ya tenemos grabados, ¿no? Oui, encore une fois, c'est vraiment l'histoire du mouvement. Il y a deux figures du mouvement dans le cinéma, c'est le cheval et le train. Y ya que estamos aprendiendo cuál es su método, pasaremos a la tercera secuencia, que es en la película, que es Le Castet Chinois, en donde vamos a encontrar ahora, en lugar de un tren, la estación del metro, y en lugar de ser Europa, es en Nueva York. Ils ont absolument voulu qu'on aille manger ensemble. Joe a proposé de garder la colonie d'enfants, et je me suis retrouvé avec Martine, Wendy et Isabelle. C'est marrant parce que quand je suis dans le métro de New York, j'ai toujours en tête le morceau de Duke Ellington, Take the A-Train. Ooh, that's really interesting. You know what you need, Xavier? You need a girl who's a little bit fragile. You know,
Someone who's like a shrinking violet. He loves you so much that you can manipulate just a little bit. Xavier, il aime les speed. Enfin, Xavier cache bien son jeu, hein. Moi, je crois qu'il lui faut un peu une costaude, parce que si elle est que fragile... Oui, mais douce. If she's not sweet, if she's too tough, like, you'll freak out. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il lui faut surtout une fille sensible. Une fille à l'écoute. Ouais, mais pas un pot de colle, hein. Si c'est une mollasse qui est tout le temps sur sa gueule, ça va l'étouffer en deux secondes. Et ça, je comprends. Je suis d'accord avec vous. Xavier, you need a combination of all three of us. Lo que ella le dice al final es, Xavier, you need a combination of the three of us, que es, Xavier, lo que necesitas es una mujer que sea una mezcla de nosotras tres. Y cortamos a él, que ya ha pasado, para este momento ya tenemos 200 minutos de historia cinematográfica con ellos, y corta un close-up, y como le decía yo a Cédric, muy emocionado, nos encontramos con un hoyo negro que absorbe todo el tiempo que hemos visto en la película. Y le pedí que hablara con ustedes de esto, si es que mi impresión era correcta o no. C'est vrai que ce moment, il était important parce que c'est les trois femmes de sa vie qui sont réunies, enfin. Il a eu une histoire très particulière avec chacune. Cécile de France, elle est lesbienne, mais il l'a aidé à avoir un enfant. Audrey Tautou, c'est son amour de jeunesse. Wendy, donc c'est quand il a quitté Audrey Tautou, il a été avec Wendy. Donc à chaque fois, il y a eu une histoire. Et là, effectivement, ce que dit Wendy est vrai, c'est que sans doute, la femme idéale de Xavier, ce serait les trois. Parce qu'elles sont très différentes, c'est ça qui est troublant, c'est qu'il a vécu, en tout cas, il a eu des histoires avec les trois. Mais, et donc, je disais que je disais que certainement, la femme idéale de Xavier, ce serait le mélange de ces trois femmes. Mais c'est très juste de dire que là, ce gros plan de Xavier, c'est le résultat de ces trois films. En fait, c'est vraiment la somme de ces trois films où chaque histoire qu'il a eue avec chacune de ses femmes, c'est sa vie, c'est le résumé de sa vie. En fait. C'est vrai que le but de ces trois films, c'est de parler de la vie de quelqu'un qui, au début, a 25 ans, puis qui, à la fin, dans ce film, a 40 ans. D'avoir réellement fait passer le temps, parce que moi j'ai réalisé ces trois films sur 13 ans. Et du coup, oui, le temps a fabriqué les choses. Le temps, c'est des histoires, le temps, c'est des bouts de vie. Et le but de ces trois films, c'est de parler du temps qui passe, de voir que la construction d'une personne, c'est fait avec le temps. Oui, mais dans mon opinion, c'est. Por supuesto, uno nunca tiene el privilegio de tener 200 o 220 minutos para llegar a un close-up. Pero cuando eso sucede en el cine, vale la pena volver a rever todo lo que pasa antes, particularmente para aquellos de ustedes que quieren hacer cine o que hacen cine, para ver cómo se va armando algo que puede ser o no ser intencional, pero cuya intencionalidad resulta en el efecto que produce en el espectador. Y en ese momento este close-up, claro, por desgracia estamos nada más agarrando pedacitos, pero es para hacerles notar cómo su trabajo de autor se va enriqueciendo, no solo porque sea el tema o el desarrollo del tema, sino porque va aprendiendo del tema. El personaje, propiamente la imagen que se va construyendo, el propio realizador. Y en este caso además algo muy interesante, que la cámara... la hizo Natasha Bryan, una mujer. ¿Por qué? En fait, j'ai souvent changé de chef opérateur, de caméraman, souvent parce que ceux que je connaissais étaient pris, et c'est des gens qui travaillent beaucoup. Et là, la meilleure personne que j'ai trouvée, c'était Natasha Bryan, qui est argentine, d'origine. Et qui à cette époque-là vivait à Los Angeles, et j'avais envie de quelqu'un qui soit pas américain. Et c'est
américaine, et qu'elle ait besoin, qu'elle filme New York avec le même regard que moi, un regard d'étranger, que le fait qu'elle soit une femme qui m'intéresse. Claro, yo sé que siempre decimos que todos somos iguales y demás, pero yo sí encuentro que el dulzor de ese shot en particular sí es diferente a la dureza de los shots de la estación de tren, que son más precisos, y este, aunque la cámara está fija, casi pareciera que está volteando en cámara lenta, Javier, pero no hay cámara lenta. Es simplemente la altura en donde está la cámara, el foco. Por supuesto es una tontería, pero seguramente no recordarás qué lente era. Pero, no sé, podría ser un 65, no sé, algo que no hace un poco flujo el foco. Es muy interesante el shot. Oui, en tout cas, c'est une longue focale. Et le but, c'est qu'effectivement, c'est ce que tu as remarqué, c'est qu'il y a le noir des rails derrière, c'est-à-dire qu'il y a du noir derrière son visage. Non, mais c'est très juste, en tout cas, que je recherchais plus de douceur dans la lumière et la caméra dans ce film, parce que dans ce troisième film, alors qu'il est vraiment perdu, en train de se chercher, complètement chaotique dans les deux autres films, là, il y a la volonté de chercher une harmonie, et à la fin de Castel Chinois, il dit je peux enfin poser mes valises, et il y a cette sensation de se calmer, et du coup, cette douceur, certainement, c'est quelque chose que je cherchais. Ok, con esto terminaríamos la primera parte, que son las tres secuencias. Me da la tentación de preguntar si alguien tiene alguna duda, una o dos, si tienen, si no, para pasar a platicar acerca de su última película. ¿Tú quieres pasar Ceux qui nous lient, l'extrait de Ceux qui nous lient? Ah, la prochaine será la cuestión de la Borgoña. Oui, c'est ça. Oui, Les quatre au vignoble. Oui, c'est ça. D'accord. Alguien, si alguien tiene, si no, continuamos. Si alguien tiene, a ver, aquí hay una pregunta. Lo que ya se ha visto. Ok, entonces, a ver. Uno y dos, ¿eh? Entonces, una. Si alguien tiene otra, y dos acá abajo, y ya nada más es para escucharlos. A ver, bien. Hola. Yo me gustaría empezar por decir que es muy considerador que no haya podido entrar a la escuela de cine, porque yo ahorita estoy estudiando para el examen de cine, y si no entro, no puedo entender que no es el fin del mundo, ¿no? Solamente he visto El albergue español, que acabo de ver, de la trilogía, y hay una tendencia muy fuerte en el cine francés contemporáneo de reflejar muy bien a la juventud. Recientemente, este año, salió la película Voraz o Grave, que creo que se llama en Francia, que lo hace perfectamente bien, El albergue español lo hace perfectamente bien. Hace unos años, Respira, que es una película francesa que a mí me gusta mucho, lo hace muy bien. Y es algo que, por ejemplo, en Hollywood es difícil de capturar, porque los jóvenes actúan de cierta manera, hablan de cierta manera, y también conlleva la parte de la química que debe haber entre los actores. Entonces, va desde el casting, desde el guión, desde los diálogos, la manera de dirigirlos y la manera en la que se comportan. Y me gustaría saber como un poco sobre estas claves que usted maneja para poder reflejar bien a la juventud. Yo me identifico mucho en la escena de la barcha, porque digo, sí, así se siente cuando he estado ebrio, y así me pongo. Que me gustó que se pusiera ahorita más en contexto, pero me gustaría saber bien cómo es que se refleja bien a la juventud y cuál es la influencia de la nueva ola de cine francés, o En fait, avant de faire L'auberge espagnole, j'avais fait un film qui s'appelait Le péril jeune, qui est le premier film avec Romain Duris. Et c'était sur des amis de lycée, et ça décrivait la vie d'un lycée dans les années 70. J'ai appris en faisant ce film que... Bon, ça décrit des jeunes, ils avaient 18 ans dans le film. Il faut être sincère, en fait.
Il y a beaucoup de films qui existent sur les jeunes, et en fait, on a toujours envie de décrire le cliché de la jeunesse, avec des gens très enthousiastes, très joyeux, qui courent partout, qui tombent amoureux de façon très passionnée. Moi, j'ai eu une adolescence très ratée, et du coup, quand on a écrit le Péril Jeune avec les scénaristes, on s'est dit, on va pas mentir, on va être sincère. On avait l'impression tous les trois d'avoir raté notre adolescence, et on s'est dit, on va être sincère. Et du coup, on a écrit nos histoires ratées, le côté misérable de plein de moments de l'adolescence. Et je pense que le secret de ce film, ça a eu un grand succès en France, c'est la sincérité, c'est le fait de ne pas mentir. C'est parce que très souvent au cinéma, on a envie de montrer la réalité plus belle que ce qu'elle est en vrai. Et souvent, c'est bien de montrer la réalité augmentée. Mais il faut toujours partir de la vérité de la réalité, du côté problématique. Donc, d'écrire la jeunesse, c'est avant tout, si vous réalisez un film, d'écrire votre jeunesse et d'être sincère par rapport à ce que vous avez vécu et vos sensations. Ok. Et... j'allais nous commencer à la phrase 1 des phrases les plus célèbres de l'Orient de l'Est, à l'Orient de l'Espagnol, pour nous présenter ce tableau. En fait, je voulais savoir, en montant au début de votre profession, quels sont les deux ou trois réalisateurs qui nous ont influencé le plus. Et puis, dans un second temps, d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce que vous retenez un peu de votre passage au Mexique? Ici, on dit que c'est votre deuxième fois au Mexique, à Mexico. Donc, je suis curieux de point de vue personnel. Un cinéaste, un qui était observateur, donc qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous observez de Mexico en tant que tel? Donc, les questions un peu différentes. Ce qui était intéressant dans ma formation, c'est qu'en France, on a tendance à être très intellectuel, et ma formation étudiante était très intellectuelle. C'était beaucoup des histoires d'analyse de films, ou d'analyse de romans. Quand je suis parti aux États-Unis, j'ai eu l'impression d'apprendre quelque chose de très pragmatique. Il y a un côté pas du tout théorique. Et il y avait un cours qui s'appelait « Hands on camera », où c'était il fallait avoir la main sur la caméra, il fallait faire quelque chose. Et en Amérique, aux États-Unis, il y a vraiment un côté just do it. La phrase de Nike, elle décrit pas mal finalement la philosophie américaine de faire des choses. Et l'opposition qu'il y a eu entre une formation intellectuelle et théorique en France et une formation très pratique aux États-Unis, ça m'a beaucoup servi à faire des films. Donc, moi j'ai l'impression que ce côté double culture, il a été vraiment important pour moi. De faire des films. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ah oui, et sur les réalisateurs qui ont été importants pour moi, alors, je cite toujours Fellini en premier. Pour moi, c'est le maître absolu. Il réussit tout ce qu'est le cinéma, l'image, les histoires qu'il raconte, la création cinématographique, c'est vraiment tout ce que. Tout ce que je cherche, c'est que je n'ai pas l'impression de réussir. Et puis, il y a des gens comme Hitchcock, il y a des gens comme Woody Allen, des gens comme Scorsese, qui, depuis mon enfance, me font rêver. Il y a beaucoup de choses que je vois dans le cinéma moderne que je trouve très enthousiasmantes. Mais les grands maîtres du cinéma, comme ça, c'est vraiment des gens qui accompagnent beaucoup. Et alors l'autre chose sur Mexico, en fait, je suis là depuis 5 jours, donc c'est court, je suis venu il y a 8 ans sinon, mais je suis toujours épaté ici de voir, par exemple, le regard que Francisco a sur mes films, je trouve ça génial parce qu'il fait découvrir des choses que je n'avais pas compris, mes films. Et c'est quelque chose que je ressens au Mexique. Il y a une intelligence qui n'est pas la même intelligence qu'en France, qui est une intelligence qui est très justement observatrice, très dans la vie. Et quand
quand je rencontre des gens de la cinémathèque il y a 8 ans, il y a quelques jours, de voir qu'il y a une passion pour la culture. Je le ressens très fort. Les journalistes que je rencontre, ils ne posent pas les mêmes questions que les journalistes français. Et il y a quelque chose de très passionné, de très vivant, que moi je trouve très, très enthousiasmant. Ok, bueno, pasemos al último extracto, que es Kenulí, que es más bonito. O sea, aquello que nos junta, que nos reúne, ¿no? Que nos hace estar juntos, o si se ponen otra vez filosóficos, que nos religa, ¿no? Nuestros espíritus, y creo que la película trata de eso. Vamos a ver ese último extracto. Lo único que les quiero avisar es que es exactamente el reverso del shot y de la secuencia anterior. Es como si años después, tratando, aunque el mismo tema del amor y la amistad desde otra perspectiva, la necesidad de seguir profundizando lo llevara a atravesar el espejo como Alicia y estar del otro lado y filmar una secuencia que es exactamente como la que acabamos de ver, pero exactamente lo contrario. En introduction, dire que ça se passe vers la toute fin du film, dans ce qui nous lie, on a suivi aux quatre saisons comment les trois frères et sœurs font du raisin, du vin. Et du coup, au début du film, on a vu les vendanges, et là, à la fin du film, c'est la première fois que le vin est fini au bout d'un an. Et donc, c'est la première fois qu'ils goûtent le vin, et c'est Juliette, la sœur, qui a fabriqué ce vin. Donc, c'est elle qui a mis. Sa personnalité dans la fabrication du vin. Mais moi, j'avais changé. J'étais revenu pour revoir mon père, et j'avais retrouvé ma sœur, mon frère, ma famille, chez moi, quoi. Mais au bout d'un an, j'ai compris que chez moi, c'est aussi à l'autre bout du monde. C'est dingue, c'est ta première cuvée, en fait. Ouais. Moi, j'en serais sous tirage. Ouais, faut mettre en bouteille, ça. Non. Non, je veux pas lancer sous tirage. J'ai pas envie de mettre en bouteille maintenant. Mais pourquoi? T'es sûr? Oui, je suis sûre, Jérémy. Ça va, c'est mon vin. Je sais ce que je veux faire avec mon vin, non? Il y a un moment donné, ça va, j'ai pas besoin d'avoir toujours 12 mecs autour de moi pour me dire ce que je dois faire. Vous êtes là à me regarder avec vos grosses couilles. C'est bon, j'ai mes idées, j'ai mon goût. Puis merde, quoi, à un moment donné, j'ai le droit d'avoir un peu de finesse et d'élégance, non? Quoi? Hein? Quand je prends une décision, j'aime pas qu'on me contredise. En tout cas, il va être bon. Ouais. C'est bien ton vin, ça. Il y a un truc apaisé qui te ressemble. Mais il a un truc fort quand même. Ouais, c'est pas si apaisé ça. Avec une fragilité, justement. C'est joué. Como pueden ver, en el anterior eran las tres mujeres que terminan sentadas, aquí son los tres hombres. Él era el que dominaba la conversación, ahora es ella. En el otro están todos trasterrados, aquí están todos en su terruño, no solo en el terruño, en la casa en la que nacieron. Es exactamente lo contrario, pero si uno observa con cuidado, está hablando de lo mismo, esta dinámica de amor, amistad, relación, intercambio, religarse, y en ambos casos termina con el close-up mágico. John Huston decía que el close-up permite que el rostro se vuelva el vehículo del alma. Y en el caso de estos shots, yo creo que eso lo logra perfectamente. Tanto en el caso de Xavier, que vemos su duda, como en el caso de Juliette, que vemos su afirmación, vemos el reflejo de su interior. No es una actuación, es una transposición de una forma de ser, ¿no? ¿Estarías de acuerdo? Oui, ce qui est étrange en fait,
alors cette scène-là que tu viens de voir, que moi je n'avais pas vu, c'est que un des buts du film, pour moi, dans ce qui nous lie, c'était de montrer comment il y a le travail d'une vie dans un verre de vin. Et que je voulais finir là-dessus, en fait. Je voulais montrer comment, à la fin de l'histoire, on buvait un verre et il y avait toute l'histoire qu'on pouvait ressentir avec ce verre. C'est-à-dire que là, il y a Juliette et les trois frères, les deux frères qui boivent le vin. Et on comprend tout ce qui s'est passé pendant un an. Et c'est tout le résultat du travail d'un an, de ce qu'on a fait avec le raisin, de ce qu'elle a fait elle, et puis qu'il y a sa personnalité qui est dans le verre, ce qu'ils disent, c'est à la fois fort et fragile. Il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans ce verre-là. Et je pense que le gros plan, c'est la même chose. C'est que c'est l'équivalent d'un verre de vin. C'est-à-dire que ça contient beaucoup de choses. Un visage, ça contient beaucoup de choses. Et que quand on a été spectateur d'un film et qu'on a suivi 2 heures d'une histoire, à la fin, quand il y a un gros plan, le spectateur voit beaucoup de choses dans ce gros plan. De la même façon que la personne qui a fait du vin, il y a beaucoup de choses dans le verre de vin. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche à faire avec le cinéma, où on cherche à mélanger des choses et qu'il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans un plan, dans une situation. De acuerdo, y esto es otra vez para quienes hacer cine es importante o quieren hacer cine. Es el hecho de que no se le pide al actor pon cara de triste, pon cara de alegre, enamórate, chilla, etc. En ese rostro hay que poner las condiciones necesarias para que cuando la cámara lo filme, ese rostro diga lo que se busca que diga, más allá de si chilla, se ríe, dice bien el diálogo o no. Uno de los problemas con la dirección de actores que tenemos los latinos, como yo que hablamos mucho, es que queremos que todo lo diga y que todo se sepa. Y en el caso de sus close-ups, lo que hay es una intuición de sutileza que permite que uno descubra lo que quiere transmitir el personaje. Y por eso las palabras que usan, por ejemplo, para definir a Juliet, ¿no? Tranquila, frágil, agresiva, elegante, ¿no? Son exactamente las mismas que definen al vino, pero también las que definen a la película. Hay una conexión entre ese diálogo, el objeto, el sujeto y la creación. Se complementa todo. Muchas gracias. Gracias. Ok, entonces vamos a ver el cortometraje. On regarde les courts-métrages. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être? Si. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Ou on continue? Et luego vemos el cortometraje? No podemos ver el cortometraje primero. Je pense que c'est mieux de... De parler avec, ouais, okay. Non, avec les gens. Si... Perfecto. Preguntas? Ok, d'accord. Le film que les jeunes ont toujours marqué la jeunesse, un des films qui sont un peu à la jeunesse. Et je sais que je me rappelle de certaines scènes qui m'ont vraiment fait rire parce que j'ai l'impression qu'ils étaient improvisés. C'est un petit peu paradoxal avec ce que vous dites, en fait, parce que vous dites que c'est vraiment bien préparé. C'était pas mon premier mot, c'est mon deuxième. En fait, ce qui était drôle dans le Pays Jeune, c'est qu'il y a eu deux acteurs qui sont devenus connus, enfin il y en a plusieurs, mais surtout Vincent Elbaz et Romain Duris. Et quand on posait la question à Romain Duris et à Vincent Elbaz, il y a eu une fois sur un plateau télé, on leur a dit est-ce qu'il vous est laissé très libre, est-ce que vous avez improvisé ou est-ce que c'était très écrit. Et les deux ont répondu en même temps, Romain Duris il a dit c'était très écrit et Vincent Elbaz il disait laissé complètement libre. Et c'était drôle parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. En fait, je ne dirige pas les acteurs d'une façon globale, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je savais que Vincent Elbaz, il était très
très fort en improvisation et souvent dans le périgeux, j'ai laissé libre de rajouter des choses par rapport à ce qui était écrit dans le scénario. Et Romain Duris, par contre, à l'époque, il n'était pas du tout prêt à improviser. Et donc il fallait absolument qu'il répète beaucoup les scènes et qu'il fasse exactement ce qui était écrit dans le scénario parce qu'il n'était pas du tout capable d'improviser. Et donc du coup, je faisais ça, c'est-à-dire que je disais à Vincent de Basse, vas-y, et puis à Romain Duris, fais ce qu'on a répété. Donc il n'y a pas de méthode globale, il y a vraiment une méthode qui s'applique à chaque acteur. Ça se rapproche de ce qu'on disait sur le gros plan, sur
qu'est-ce qu'il y a dans le visage de quelqu'un. Pour vous donner un exemple, à la fin des Poupées Russes, encore une scène de gare, il y a Romain Duris qui finalement vient rejoindre Wendy à la gare de Londres. Et donc il y avait un plan sur Wendy qui attend Romain, et je fais le plan sans rien lui dire, et puis elle attend Romain et elle est comme ça. Et je lui dis, Kelly, ça marche pas, c'est trop cliché. Elle dit, ouais, mais je suis quand même contente qu'il arrive. Donc, elle dit, voilà, je joue le fait d'être contente qu'il arrive. Et alors je lui dis, oui, je suis d'accord, t'es contente qu'il arrive, ça c'est sûr. Et je lui dis, joue autre chose, joue le fait que tu vois plein de gens du train qui sortent et t'as l'impression qu'il n'est pas dedans. Et t'as l'angoisse qu'il n'est pas dedans. Et du coup, elle joue ça dans le film, elle joue, j'arrive pas à le voir, et finalement elle le voit. Et ce qu'elle fait quand elle l'entrevoit, c'est tellement beau, parce que il y a l'envie, enfin, il y a son plaisir de voir la personne qu'elle attend. Et en fait, c'est juste la motivation, c'est juste le fait de trouver le bon mot à donner à un acteur qui fait que d'un regard très cliché ou de quelque chose de très plat finalement qui a été joué, il y a juste une petite différence qui est qui change tout, quoi. Je trouvais ça étonnant après coup, parce que finalement je lui fais jouer le contraire de ce qu'elle jouait. Au lieu de jouer le plaisir, elle joue l'angoisse. Et en fait, l'angoisse, ça n'empêche pas le fait qu'il y a du plaisir ensuite en découvrant la personne. Mais finalement, diriger un acteur, c'est ça, c'est trouver les bons mots et trouver la bonne motivation dans une action. Je pense que si je faisais exactement la même histoire aujourd'hui, je ne raconterais pas du tout la même histoire. Donc, y a aussi le fait d'être un peu une éponge et de sentir l'époque et d'être sincère par rapport à ce qui se passe. Moi, j'ai fait un travail de journaliste quand j'ai commencé le scénario. Je regardais qu'est-ce que c'était une colocation d'étudiants, le fait de partager le téléphone, parce qu'à l'époque, il y avait des téléphones fixes, de partager le frigidaire. Donc ça c'est parti, par exemple, aujourd'hui une colocation, plus personne n'a le même téléphone. Donc cette scène, elle n'existerait pas. Donc je parlerai du fait que chacun a son téléphone portable, est sur Facebook, Instagram. Il n'y avait pas du tout ça à cette époque-là. Mais j'aurais la sincérité de parler de ce qui se passe vraiment. Et du coup, je raconterai l'histoire par rapport à ce qui existe vraiment aujourd'hui. Donc on essaye avec les choses qu'on observe, d'essayer de raconter une histoire et d'essayer que cette histoire soit cohérente. Mais c'est compliqué.
film et si vous avez envie de faire plus de séries. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle ici, c'est Call My Agent en anglais. Elle existe sur Netflix, donc je ne sais pas si des gens l'ont vu ici. Mais, en tout cas, non, ce n'est pas complètement la même chose. C'est le même travail, c'est le même. Je suis réalisateur de la même façon, je dirais, dans les deux cas. Mais c'est une série comique, et du coup, je me permettrai pas d'être comique comme ça dans mes longs métrages parce que le trait est grossi, disons. C'est sur le type de comédie en fait que ça change. Après, ce qui change beaucoup, c'est que on tourne à 6-7 minutes utiles par jour, donc c'est c'est 5 fois plus rapide que l'Auberge espagnole ou le Péril jeune ou les autres films que j'ai fait. Donc c'est juste faire beaucoup de plans chaque jour. Il y a une impression d'être à l'usine avec les acteurs parce qu'il faut vraiment finir la scène. Donc il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on prend plus son temps, on essaye de faire le mieux possible dans un long métrage, et là on essaye juste de faire ce qu'il y a dans le scénario. Donc la façon d'être n'est pas du tout la même. J'adore ce qu'est une série, c'est-à-dire que là on a raconté une histoire qui dure 6 heures avec plein de personnages, et là actuellement j'écris une série télé et un long métrage parce que j'aime bien les deux, c'est vraiment deux plaisirs très très opposés, très différents. Y la segunda cuestión que tiene que ver con la responsabilidad social, el arte generalmente tendría una serie de responsabilidad de compromiso. ¿Cuáles serían algunos puntos que plantearían su discurso cinematográfico como responsabilidad social de cine? Gracias. Déjà, moi j'ai l'impression que dans tous les films que j'ai faits, j'essaye d'être ni dans la tragédie ou dans le drame absolu, ni dans la comédie. J'essaye d'être entre les deux. La difficulté de mon cinéma, c'est d'arriver à pouvoir faire les deux. C'est là ce que vous avez vu, la scène de Wendy à la gare, j'ai envie que les gens pleurent quand ils voient cette scène. Et la scène d'après, j'ai envie que les gens rient. Et ce qui est compliqué, c'est de faire du cinéma où il puisse y avoir les deux. Parce qu'il y a souvent du cinéma où il n'y a que de la tragédie ou de la violence, et du cinéma où il n'y a que de la comédie. Et moi, si c'est que de la comédie, ça me gêne. Donc j'ai besoin du mélange des deux, donc il faut arriver à trouver un langage qui fonctionne pour les deux. L'autre question, c'était... j'ai l'impression, moi je suis très sensible aux histoires. Il y a deux problèmes sociaux qui m'intéressent, peut-être trois. Il y a le racisme et le sexisme. Donc j'ai l'impression que dans mes films, j'essaye toujours de combattre les deux. Et ça, c'est pour des raisons personnelles. Mes parents, ils sont nés pendant la guerre, ils ont subi, disons, le racisme. Du coup, c'est quelque chose qui est important pour moi, pas forcément de faire un film politique contre le racisme, mais qui est quelque chose qui lutte contre l'idée du racisme. Quand je fais L'Auberge espagnole, c'est pas du tout un film politique antiraciste, mais ça dit aux gens, voyager, ça vous ouvre l'esprit. Et le fait d'aller en Espagne, le fait de partager un appartement avec des Italiens, des Allemands, de pas penser que les Allemands sont rigides et que les Espagnols sont je sais pas quoi, c'est d'apprendre à être ouvert à la culture des autres. Donc, j'essaye en fait de faire de la politique sans faire de la politique. Pareil sur le sexisme, et quand je disais qu'il y a un troisième sujet, c'est par rapport au libéralisme. J'ai l'impression que finalement je vois à quel point la logique libérale crée du fascisme, et que du coup j'essaye dans mes films, enfin en tout cas Ma part du gâteau qui va justement passer juste après, c'est un film là-dessus, c'est un film sur la violence du capitalisme. J'essaye de parler de ça dans le film. Allá, al fondo.
cinémathèque, la cinémathèque de Mexique. Vous avez dit que vous avez un site internet qui s'appelle la cinémathèque.com. Oui. Quelle est l'importance pour un réalisateur d'être cinéphile pour faire les hommages, les tributs quand le réalisateur fait des films? L'autre question, c'est, vous avez dit que l'homme de Bouillon, le film que vous avez présenté à la cinémathèque, c'est un des films de préférés. Et quelques souvenirs avec Jean-Paul Belmondo, parce que je suppose que vous avez vu ces films quand vous étiez un enfant, et après vous avez gardé. Alors, effectivement, j'ai créé un site avec trois réalisateurs, Pascal Ferrand en Cantet, et avec un producteur à Manca. On a créé un site internet qui s'appelle lacinétech.com, et où l'idée c'est que c'est un site où il n'y a que des vieux films qui sont choisis par des réalisateurs du monde entier. Et donc, chaque réalisateur, chaque mois, il y a un nouveau réalisateur qui est invité. Il donne une liste de 50 films. Et ce site est constitué par les 50 films préférés de Bertrand Tavernier, de Les Pléchins, de Jarmusch, de plein de réalisateurs. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui sortent. Ce qu'on voit, ça fait 2 ans que le site existe, c'est que chaque réalisateur qui participe au site est persuadé qu'il ne pourrait pas faire le cinéma qu'il fait. Et ça, c'est vrai pour un Japonais, pour un Mexicain, pour un Français, pour un Anglais, un Américain, sans le cinéma des autres. On est le résultat d'avoir aimé le cinéma des autres. Et donc, du coup, c'est très important pour les jeunes réalisateurs à venir d'être persuadé que c'est important de connaître les gens qui sont moins à la mode aujourd'hui, des gens comme Bergman, Antonioni, Ozu, Mizoguchi, Kurosawa, du cinéma qui n'est pas de son pays, d'être juste au courant de ce qu'on appelle les classiques. Parce que très souvent, les gens ont entendu parler de Jean-Luc Godard ou de Orson Welles, mais ils ne connaissent pas les films. Donc c'est important pour nous de garder ce côté culturel et de dire, voilà, quelqu'un qui a 20 ans qui veut faire du cinéma, il est obligé de connaître Orson Welles, il est obligé de connaître Hitchcock. Et donc, le fait que ce soit des réalisateurs qui disent voilà, ces 50 films ils sont importants, et ben, il y a des fortes chances que ce soit important pour un jeune réalisateur aujourd'hui. Donc c'est ça le but de ce site, c'est vraiment de faire de la transmission et d'aider à la culture de l'image. Sinon, par rapport à votre question sur Belmondo, pour moi c'était une espèce de rêve. Belmondo, c'était vraiment l'acteur que je préférais quand j'étais petit, quoi. Je l'ai connu quand j'avais 10 ans, il doit avoir 30 ans de plus que moi, un truc comme ça. Et donc j'ai grandi avec tous les films de Belmondo, c'était vraiment une énorme star en France. Et quand je lui ai demandé de faire un film avec moi, un film qui s'appelle Peut-être, et qu'il a dit oui, c'était une sorte de rêve, quoi. Donc même quand je le dirigeais, j'avais l'impression que c'était pas un rêve. Tellement je l'avais idéalisé. Hein. Et c'était pareil pour Romain Duris, puisqu'ils jouaient ensemble. Donc c'était juste génial de vivre 2 mois avec ce monsieur de Lombard. Ici, madame. Hola. Yo no había visto ninguna otra película de. Además de la que pasaron la noche, el miedo que nos unió. Y la verdad es que no estaba muy interesado, porque el tema del vino, pues yo no sé mucho de eso. Y pues, no sé, pensé que me iba a aburrir un poco, pero no fue el caso, me gustó mucho la película. Entonces, yo quería saber si en algún momento tú consideraste este tipo de problema como para la audiencia. Y si sí, ¿cómo fue que hiciste este tema que, pues, por lo menos para mí parece un poco como de nicho? ¿Cómo lo viste algo más accesible? Y si no tuviste este problema, entonces, pues, como que no tengo ninguna. Grande question. En fait,
c'est une question fondamentale du cinéma de savoir si on ne doit faire que ce que le public veut. Parce que moi, c'est vrai que j'étais conscient, en faisant un film sur le vin, qu'il y a plein de gens qui n'allaient pas du tout être intéressés par ça. Je suis très conscient, en faisant un film sur une colocation d'étudiants, que ça risque d'intéresser plus de gens que de faire un film sur le vin. Mais il faut faire confiance à ses désirs personnels en se disant « je pense que ça peut intéresser les gens de voir ça ». Et même si en France, l'Auberge espagnole a fait 3 millions d'entrées et ce qui lui a fait 700 000 entrées, ce qui est, on est le quatrième film français de l'année, c'est-à-dire que c'est un très bon résultat, mais ce n'est pas du tout le succès de l'Auberge espagnole. Je pense qu'à partir du moment où on pense au public et on se dit on veut faire quelque chose pour le public, il faut aller, faut faire confiance à son instinct et il faut faire des choses qui sont importantes pour soi. Parce que moi je sais qu'on m'a proposé de faire des films commerciaux, on m'a proposé de faire Astérix, où je savais que si je le faisais, ça pouvait faire 5 millions d'entrées, 6 millions d'entrées, et je ne l'ai pas fait parce qu'en fait ça ne m'intéresse pas de faire ça. Et donc c'est important pour moi que le désir personnel passe devant l'intérêt commercial. Je me disais, vas-y, je confonds les choses. Je croyais que vous aviez joué un rôle vous-même, collaborateur. Dans le film, en fait, moi je suis figurant dans tous mes films, donc j'apparais dans tous mes films, mais je ne suis pas acteur. Je suis très très mauvais acteur, donc je ne vais surtout pas jouer. C'est le film que j'ai fait à NYU, New York University, la deuxième année, donc j'avais 22 ans, je pense. Et voilà, comme on savait qu'il y avait des étudiants en cinéma, on se disait que c'était intéressant de montrer ce film. Ça dure 16 minutes, c'est vraiment le premier film que j'ai réalisé.